On va en boire jusqu'au matin. Yeah! Aïe, 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 aïe. Yeah! Aucune brique n'ira au village. Je vis la vie de nougat. Vous pouvez certainement vous demander ce que je suis en train de fêter. Eh bien, laissez-moi vous dire que je suis en train de fêter par anticipation des millions que je vais recevoir. À votre santé. Je vais raconter dans quelques instants ce que j'ai fait et ce que je suis en train de fêter. Loterie nationale de Côte d'Ivoire, grand distributeur de gains. À qui le tour? Aujourd'hui, j'ai décidé de vous partager mon secret. J'ai découvert comment devenir riche à tous les coups grâce à la loterie. Et je pèse mes mots quand je dis à tous les coups. Il fallait d'abord choisir la loterie à laquelle j'allais participer. J'ai pensé automatiquement à la LONACI, la loterie de Côte d'Ivoire. Ils ont un jeu qu'ils proposent, un loto, qui s'appelle le loto bonheur. Mais en regardant bien, je me suis rendu compte que le principe était beaucoup trop compliqué et les gains étaient très faibles. Si j'ai bonne mémoire, le dernier gain qu'ils ont médiatisé s'élevait à 17 millions, environ 26 000 euros. Ce gain, c'est du menu frétin. Je me suis donc tourné vers la FDJ, la Française des Jeux. Et comme aujourd'hui, on est le vendredi 13, je sais que la FDJ mettra en jeu un jackpot de 13 millions, comme elle le fait chaque année, ou plutôt chaque vendredi 13. En réalité, ce qui m'intéresse le plus, c'est l'euro million, car les gains sont beaucoup plus importants. Chaque mardi et chaque vendredi, c'est-à-dire deux fois dans la semaine, il y a un tirage. Mais s'il vous plaît, laissez-moi finir de remplir mes grilles et je suis à vous. Maintenant que j'ai fini de remplir mes grilles, je vais vous montrer comment gagner à l'euro million à tous les coups. Mais d'abord, un petit calcul. Prenons un exemple assez simple afin que je vous explique. Nous allons tirer 3 lettres parmi 5. A, B, C, D et E. Nous allons mettre ces 5 lettres dans une urne. Nous allons tirer d'abord la première lettre. La lettre D. Lorsque nous avons fini de tirer la lettre D, il ne reste que 4 choix possibles. Puis, nous tirons la lettre E. À ce moment-là, il ne reste que 3 choix possibles. Et enfin, nous tirons la lettre C. Il ne reste que 2 choix possibles. Donc, nos 3 lettres sont E, C, et D. À la loterie, l'ordre de tirage n'a pas d'importance. Donc, C, D, E, c'est pareil que E, D, C, ou de D, E, C, peu importe la combinaison. Pour l'euro million, il y a un peu plus de combinaisons. Je sais que tout le monde n'aime pas les calculs, donc je vais vous donner le résultat final. Nous devons choisir 5 numéros à tirer parmi 50. Donc la première grille va de 1 à 50. Et ensuite, il y a 2 étoiles à tirer. Et les 2 étoiles sont à choisir parmi 12 étoiles. Qui sont numérotées de 1 à 12. Le calcul, c'est celui qui s'affiche. Donc en termes de combinaison, nous avons 139 838 000 et 160 combinaisons possibles pour l'euro million. Donc, à chaque fois que vous remplissez une grille d'euro million, donc vos chances de toucher le jackpot à l'euro million sont de 1 chance contre 139 838 000 et 160. Nous continuons donc nos calculs. Une grille à l'euro million coûte 2,50 €, ce qui vous autorise à cocher 5 numéros et 2 étoiles. Donc, afin de pouvoir remplir toutes les combinaisons possibles et toutes les grilles possibles, il va falloir débourser 349 595 000 et 400 euros. En déboursant cette somme et en remplissant toutes les combinaisons que je vous ai données tout à l'heure,
vous avez 100% de chance de gagner l'euro million. En France CFA, ça fait énormément d'argent. Afin de pouvoir débourser cette somme, il faut être issu d'une famille très riche. Dans le cas contraire, essayez de proposer ce projet à un investisseur. Et en plus de cela, il faut prier pour ne pas qu'une autre personne fasse la même combinaison que vous. Sinon, vous serez obligé de partager les gains. Je vous souhaite beaucoup de courage pour rassembler cette somme. Mais au fait, j'ai oublié de vous dire que les gains sont plafonnés à 190 millions. Au-delà, le surplus est affecté à un autre tirage. Tout ça simplement parce que, aux États-Unis en 1992, un mathématicien du nom de Stefan Mendel a utilisé exactement la même stratégie pour gagner. Then they retained the services of Stefan Mandel, the winningest lottery player on earth. His computer-driven system had already won $25 million around the world. How does Mandel's system work? Essentially, we cover every possible combination. Theoretically, anybody can buy all the possible combinations. Any high school boy or girl can calculate those combinations. Nobody has ever developed a logistical system to lodge such a large amount of playslips. So how do they do it in Virginia? Cela a permis de remporter le jackpot de 27 millions en jouant presque toutes les combinaisons. Et en plus, le laps de temps ne lui a pas permis de pouvoir jouer toutes les combinaisons. Il n'a joué que la moitié des combinaisons. Mais il a eu la chance et il a pu remporter le gain de 27 millions. À partir de ce moment-là, la plupart des loteries ont plafonné leurs gains. Après toutes les démonstrations que je viens de faire, vous avez certainement compris là où est-ce que je veux en venir. C'est-à-dire l'impossibilité de gagner le jackpot. On vous sort dans la publicité que 100% des gagnants ont joué. Ce qui peut-être oublie de dire également, c'est que 100% des perdants s'y ont joué. J'espère ne vous avoir pas trop découragé. De toute façon, je pense que les joueurs certainement continueront à jouer parce qu'ils se diront qu'ils sont chanceux. Mais pour les autres personnes, suivez mon conseil et affectez votre argent à un investissement qui sera beaucoup plus rentable et qui sera beaucoup plus sûr. Désolé pour la FDJ et pour la Lunacy à qui je fais de la contre-publicité. Mais je pense qu'afin de prendre des décisions rationnelles, il faudrait que les gens aient toutes les cartes entre les mains. Et malheureusement, les gens n'ont pas toutes les informations lorsqu'ils jouent ces jeux-là, en partant sur le principe qu'ils peuvent gagner. Je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao !